Ujambo watazamaji wote wa Nipinuzi TV, tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo siku ya Jumanne ya tarehe 15 mwezi wa Novemba mwaka 2022. Mimi jina langu Mwalelwa Msekejide, ninayewakaribisha na kuwatakieni nyote utazamaji mwema. Habari za kwanza ni kwamba jeshi la Kongo limefanyikisha kuwazuia waasi wa M23 kuushika mji wa Nyiragongo na Kibumba, huku mapambano makali yakishuhudiwa maeneo hayo saa baada ya nyingine. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont sur différents fronts en territoire de Rutshuru afin de récupérer les zones qu'occupent les terroristes du M23. Après une réorganisation sous le commandement du général-major Chico, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et son staff, les forces régulières utilisent tout l'arsenal à leur possession pour obtenir les résultats attendus. L'armement lourd, les pick-up, le char, les drones, bref, toute arme qu'elle possède est sur le front sud et nord. Goma. Vijana waliojitolea kujiunga na jeshi la serikali wamesafirishwa Kinshasa ili wapate mafunzo zaidi ya kijeshi. Tukisalia hapo hapo Goma, ni kwamba maelfu ya wakimbizi kutokea vijiji mbalimbali ikiwemo Kibumba, Nyiragongo, Kanyarushinyi wakimbilia katika mji wa Goma kwa lengo la kupata usalama wao. Wakaaji wa mji wa Wacha ndani ya mkoa wa Haut-Uele wa
wamewaomba wa China waweze kurudi makwao kwa sababu wanaharibu sana misitu ya mji huo wawacha kwa malengo ya kupora mali kinyume na sheria. Chopo. Raia wa Isiro wameanzisha mradi wa ufungaji wa samaki aina ya ngege au tilapia. Wana metri sengina kanga kano ki. Meme bawe zala kana langu na barbe zizi kuna kena kato. Atasua zo kita hote. Simbaye, umoni? Umoni awa, umoni azera katika, umoni plaso. Kialo boko awa. Epi akuye MP4. No, magoti kielo goti. Simba maka. Umoni nga simbi ye? Kaka nga simbi wana? Yete, boye, te. Papa de tunedi. Ma simba kira pia awa. Umoni nga kialo boko wana, oyo awa. Simba zo, kache. Simba makache. Kache. Voilà. Et la leçon a été bien assimilée. Kasindi. Baadhi ya raia waendelea kushukuru ushirikiano wa jeshi la Uganda la UPDF na lile la Congo FARDC kwa kuwasaka magaidi wa ADF maeneo ya Kasindi, Beni na Ituri. Ninafanya kazi kwa biro. Nilitoka kwa biro sasa hivi tulishinda kule kwa Babuba. Sasa mimi kutoka nilikuja siku na sosi hapa na Babuba. Panye tulikuwa na ngoya. Barisha fika hapa. Maramani kafika hapa. Mimi nashukuru sana kidole moya hauwake chawa. Unaiwa chawa. Ina kuweka kukicho. Ndio. Kama unakamata unatia hapa kukidole. Kidole mata huwa chawa. Hapana. Kidole mbili ndio anauweka chawa. Ndio. Generali ya kwanza alifikaka hapa na sitachokaka na kusema. Nilisemaka sitaki kukimbia tena. Mimi nashukuru tena kuona tena hapa. Mimi nashukuru tena kubaona. Ndio. Nilikimbia tena fika kwa Mwanza tena mimi nafika hapa. Tena niko na sijia. Mimi nasema kwa kuwa umoja basuda ya Uganda na basuda yetu ya Kongo. Tangia niko hapa mimi nalalaka. Mina sinjia tena mina lamuka. Sina foka tena mina lala. Lubumbashi. Raia wanaofanya kazi ya unyozi waiomba serikali ya mji huo kuongeza nguvu za umeme ili kazi zao zipate kutendeka vizuri. Beaucoup de quartiers de la ville de Lubumbashi connaissent des coupures intempestives. Le retour à la situation normale est attendu dans un mois d'après les communiqués de la SNEL du mercredi 9 novembre. Chez le coiffeur du quartier Kassapa, la situation professionnelle n'est pas reluisante. Depuis plusieurs semaines, ils accumulent des journées de travail qui ponctuent des coupures intempestives et du courant. Pour tenir, nombreux sont ceux qui recourent à des moyens de fortune pour faire tourner notamment les tondeuses. Mais à quel prix ? La réponse souligne parfois des regrets profonds. Dès que nous avons le client, nous activons le panneau solaire, soit le groupe électrogène. Seulement qu'il nous faut du carburant pour le faire tourner. C'est compliqué, nous avons l'impression que nous travaillons pour ne rien gagner. Un peu comme lui, des jeunes de cette partie de la ville de Lubumbashi digèrent difficilement l'absence prolongée du courant électrique. Et pour les étudiants, il faut parfois de nombreux efforts pour accéder aux connaissances en ligne.
Nous avons besoin de suivre les informations, mais faute de courant, cela nous est très difficile. Nous avons besoin du courant stable, et surtout en cette saison de pluie. Les explications de la SNEL disent que c'est le vol des câbles haute tension qui est à la base de l'absence du courant électrique dans beaucoup de quartiers de la ville de Lubumbashi. C'est précisément l'ancien directeur des transports sud de la SNEL qui l'a dit. Gabi Malonda souligne encore que les travaux de remplacement des conducteurs sont en cours dans différentes centrales de Mwadingusha, Koni et Inga 2 dans le Congo central, où deux grandes machines sont tombées en panne. Kinshasa. Waziri wa mambo ya nje wa Kongo Christophe Lutundula aendelea kushangazwa na hatua ya Umoja wa Mataifa kuambia nchi ya Uturuki kuikataza Kongo isiweze kusafirisha zana za kivita au vifaa vya kijeshi vitakavyowezesha jeshi la Kongo kupambana na makundi ya waasi. Ya des banques, des transporteurs et même ceux qui fabriquent des armes qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit oui, il y a les Nations Unies, vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands, d'armes et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner des détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vers ici, mais en cours de route, le transporteur a dit non, ça ne peut pas arriver en RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au Conseil de sécurité ceci. Ce que nous disons au comité des sanctions qui est ici. Je crois qu'ils ont déjà rencontré le président des chambres législatives. Je crois que tout le monde dira la même chose. Non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne fût-ce que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue. Tukisalia hapo hapo mjini Kinshasa ni kwamba ni bunge la Kongo, bunge la taifa limeweza kupinga kitendo cha kufanya mazungumzo yoyote na waasi wa M23. Huko bunge hilo likiwaomba wajumbe wa mazungumzo hayo ikiwemo rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta kusahau kabisa mpango huo. Tuko na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba yale ambaye nimejionea na nyinyi tulikuwa pamoja nanyi na mumejionea, watoto, wakina mama, wazee ambao wamekuwa sasa wakimbizi katika nchi yao, yangu tu ni kusema ya kwamba hata kama tuko na shida gani, hata kama tuko na mgogoro na tumekosana kwa njia gani, jameni, kwanza tuache vita. Hawa watoto, hawa wakina mama, hawa wazee ambao hawana shughuli na shida ambazo watu wanapigania, tusikie huruma, tuache vita na tuanze kuongea. Hatuwezi kusema tuongee kwanza alafu tutaangalia haya maneno. Hapana. Lazima tuache vita, tuje tuongee. Mumejionea nyinyi wenyewe maelfu na maelfu na maelfu. Na mimi najua wengine wenu ambao mtalala hapo, mtarudi huko kesho, mtawaona wengine hivyo hivyo. Jameni, kama wana wa Mungu, tujue binadamu sio mawe, sio mnyama wa msituni. Kwa sababu yale tumeona leo ni kama kusema ya kwamba binadamu amekuwa mnyama wa msituni. Ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba mambo haya yakome.
na sisi hatuko hapa kusema hii ni shauri ya huyu ama ni ya huyu. Hatulaumu mtu, twasema tu jameni, kama watoto wa Mungu tuache hii vita, tuokoe maisha ya wale ambao tumeona leo. Nous avons d'abord remercié le président Uhuru Kenyatta pour avoir accepté cette mission délicate de facilitation. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité avec tous les États voisins. Ce que nous lui avons dit reste. Nane kufikia hapo sina cha ziada. Ndugu watazamaji wa Nipinduzi TV, na waomba msiweze kubanduka kabla hamuja subscribe ili msiweze kukosa habari moto moto zinazojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi niite Molelwa Msekedide ambaye nimewaaga nikisema hadi kwa mara nyingine tena, kwa herini. Ongera la ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, exam editor. Matokeo yote ya nyumbani. Habari za uhakika. Fuatilia Nipe News TV.